Salut à tous, c'est Trapa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des présentations de vos troupes à vous, les abonnés. Et donc, nous sommes toujours en compagnie de Sauron. Salut Sauron. Salut à toi, Trapa, et salut tout le monde, encore une fois. Et donc, pour cette première troupe, qui est en plein chargement, c'est un fichier bizarre, j'ai l'impression. Et donc, oulala, non, j'aime pas ça. Ouvrir dans le document, j'aime pas ça. Pour le premier épisode, si vous l'avez vu, j'ai également ouvert dans le document et ça ne marchait pas. Donc bon, ça ne marche pas, on va revenir, toujours avec mon bouffon d'écran, on va revenir sur le deuxième, donc de Satflame. Satflame. Alors, Avast, ce courrier électronique ne contient aucun virus ou logiciel malveillant. Oh, c'est bon ça. Génial. Donc c'est un archer-cochon, ok, donc très belle description. Oh, très beau, j'adore. Un chevaucheur a prêté son cochon à un tireur d'élite, voilà le résultat. Wow. Et donc on a dégâts par seconde, 16, points de vie 40. Et puis coût de la formation 50 pour le level 1. Tu vois, il précise, il n'y a pas le titre. Il n'y a pas le titre, c'est no name. Il n'y a pas de titre. C'est la troupe no name. Excellent. En fait, c'est un archer, mais vitesse beaucoup plus rapide, j'ai l'impression. Alors attends, faut que je vérifie. Et qui va par-dessus les murs, mais justement, je sais pas trop à quoi. S'il va par-dessus les murs, ça sert à quoi qu'il tire à distance? C'est vrai. Ou alors, du coup, il ne prend pas les bombes géantes, tu vois, vu qu'il tire à distance. Ah ouais, ouais. Bonne idée, franchement, pourquoi pas. Mais moi j'aurais vu à la place du cochon un loup, tu vois, histoire d'avoir un petit peu plus de mystère, un petit peu différent, ouais, du show. Diversité, ouais. Bah si Clash of Clans met un truc, ils mettront pas un cochon, parce qu'ils vont pas remettre un cochon. Et justement, tu vois, le loup, bon ça c'est moi qui imagine, mais du coup il ne prendrait pas les pièges. Ce serait un truc, justement, pour équilibrer avec le chevaucheur de cochon. Peut-être qu'il a moins de vie, etc., que le chevaucheur de cochon, mais il est invisible aux pièges. Ou au moins bombe géante. Mais il prend les petits pièges à ressort quand même, faut pas déconner. Ouais. Mec, je te jure, il y a écrit piège jointe, mais je trouve pas la pièce jointe. Pièce jointe. Oh, c'est pas grave, hein. Moi j'ai vu donc, le. Donc, seul trapin. Alors. Qui n'a pas d'arme, juste un œil, il pourra envoyer deux rayons d'élixir noir. Tu peux sélectionner ce qui te plaît, un demi-rayon. Comme une tour d'enfer, d'accord. Sinon, une troupe qui vise HDV pour la fin de bataille. Ensuite, une rageuse. Ah une ouais, de graisseuse. Il y a plein de trucs, mais il n'y a pas d'image. D'accord. J'ai plein d'idées, je ne pourrais pas les monter malheureusement. Ah d'accord, okay. Montrer. Ouais. Donc là il donnait les idées, mais peut-être que plus tard ça va être quelqu'un qui va nous dire qu'il les a fait. Bon ok, pourquoi? Franchement. Oh là là. Oh ma Titouan. Titouan. Oh j'adore. Oh, ah yes, ceci. Là ça me vend du rêve. Tu vois. Dégâts par seconde, rien. Point de vie, rien. Coup de la formation, rien. Coup de formation, rien. Ceci est une bombe lancée sur les troupes du château clan de CKM, c'est une flèche. Type de dégâts explosifs, d'accord. Ce n'est pas très beau, mais une troupe ciblée, voilà. D'accord. Contre les troupes du château de clan, encore une fois une troupe. On a eu beaucoup dans l'épisode 1 de troupes contre l'hôtel de ville et contre les troupes du château de clan. Donc c'est vrai que c'est vos deux idées qui reviennent vraiment souvent. Et franchement, c'est pas une mauvaise idée. Parce que les troupes de château de clan, bon, la Valkyrie, elle peut s'en occuper facilement, je pense, elle tournoie et tout. Ça, pas les troupes aériennes, ouais. Pas les troupes aériennes, donc, est-ce que là, du coup, elle leur envoie... Bah, en gros, c'est, je sais pas, c'est des trucs avec carreaux explosifs, là, tu l'envoies, boum, ça éclate. Bah, franchement, t'envoies ça sur le château de clan qui te fait chier, t'es là, oh, merde. Et là, t'envoies ta petite troupe qui s'appelle pas. Et ça envoie un truc explosif et y a plus personne. Voilà, génial. Franchement, bonne idée. Alors là, je suis sur le ninja. Donc le ninja, ce redoutable ninja mettra tout en œuvre pour éliminer les troupes du château de clan. Encore une fois, c'est vrai que ça vous plaît, hein. C'est vrai que c'est quelque chose que la communauté voudrait. En plus de sa grande rapidité, pardon, vous pourrez compter sur sa capacité à sauter les murs, d'accord ? Pourquoi pas ? Et en plus, enfin, on a déjà eu dans l'autre épisode le ninja déjà. Et là, le design est sympa, en 3D, donc c'est plutôt cool. Et dégâts par seconde 100, il est meilleur que celui d'avant, non? Et l'autre, il visait l'hôtel de ville, je me souviens. Mais là, c'est les troupes, donc c'est vraiment les deux trucs qui reviennent souvent. Alors, j'ai peur pour le prochain. Ma troupe créée trapa. Allez. Après plus de 4 heures de travail. Ouf. Ah ouais, c'est le truc de Samurai Siege. C'est le truc de Samurai Siege. Ouais, c'est un Clash of Fake. Inspiré de quelques mangas. Je fais dessin comme loisir, donc ça aide. Les quelques fautes que j'ai fait. D'accord.
Alors, ah non, mais là, le gars, il est direct... Non, mais je vois direct que ça vient de Samurai Siege. C'est Samurai Siege. Ah non, mais là, c'est... on est d'accord. Il a pas dessiné, on va pas nous mentir. Tu crois qu'on est des pigeons, des ratons, ou je sais pas. Non, on voit tout de suite. Mais bonne idée, et puis ça donne bien, je pense. Et puis... Ce n'est pas le cousin du PK, au contraire, il inflige deux fois... Il inflige x2 à un hôtel de ville. Produit quelques dégâts en mourant. Ah ouais, 25. C'est un peu comme les ballons. Ça, c'est pas bête. Comme les golems aussi. Dégâts en mourant. Ah ouais, sympa. Ouais, comme les golems et... Ah oui, comme les golems. C'est vrai que c'est ça. Mmh. Avant, on avait eu, dans l'autre épisode, on avait eu la cousine du PK. Et maintenant, c'était justement... Non, ce n'est la pas cousine le cousin du PK. Donc en gros, au lieu voilà. de dire ce que c'est, ce n'est pas. Alors, ce n'est pas le cousin du PK. Alors, ce que c'est, j'en sais rien, mais ce n'est pas. Voilà, c'est déjà ça. Hein. On en sait un peu plus. Puis bon. Toute la famille, on va avoir toute la famille. La cousine du barbare, la cousine de... Le frère du gobelin. La cousine de l'archer qui s'est accouplée avec un cochon, ça fait l'archer cochon. Oh. Ah, c'est sale. Après, on a la troupe de... Moi, je suis en train de chercher l'image. Bah, moi, mais elle est... Alors, attendez, qu'est-ce que je vais faire? Attendez-vous la tête un peu, moi, je suis dans la même position que vous. Attends, je vais faire un truc. À tout, ça va un torticolis. Si ça marche... Attends, je suis en train d'essayer de tourner l'iPad. Moi, je tourne la tête, c'est très bien aussi. Hein. Ça va faire... Là, je pense que les gens, ils vont... Non, ça là, marche. Là, c'est bon, les gars. Là, nickel. Le drug, donc 56 dégâts, 88 points de vie, 2 places. 2 places, waouh, cheaté. Oh. Et ils aiment les ressources, d'accord. Ah, c'est un gobelin insecte, parce que tu sais, on a l'impression que c'est une menthe religieuse ou une connerie dans le genre. D'accord, ouais. Bon, c'est franchement sympa, et ça s'appelle comment? Le drug. Le drug. Drug. Mmh, le drug, ça me fait... Le drug. Drug. Bon, la drogue, peut-être, consommer. Non. Pas du tout, moi je ne prends pas de drogue, non, je consomme pas ça. Ah, le roi des PK que j'avais vraiment kiffé, le roi des PK. Alors, voyons ça, le roi des PK. C'était un abonné tunisien de 14 ans qui m'avait envoyé ça, je lui avais répondu. Alors je suis en train de charger... Capacité de logement ? Ah oui, il a pas de capacité de logement. Ah bah oui, c'est un roi, je suis bête. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah moi je suis en train de charger... En fait c'est un PK. C'est un PK moins fort. Un PK moins fort En fait, c'est un roi. En fait, je sais pas si c'est une troupe. Bah, peut-être que là, c'est le level 1. Ah non, ouais, c'est peut-être le... Non, c'est un héros. C'est un héros. Niveau 1. D'accord. Sympa. Pour l'instant, j'ai juste le titre de chargé. Ah, c'est bon. J'ai déjà vu cette image sur Google. Mais lui, il l'a un petit peu amélioré. Bon, c'est sympa. Et aussi. Dégâts par seconde de 100. Non, c'est correct. Oh, mec, l'orthographe est... Lis le message de Alexandre. Ah, c'est excellent. Puyol Alexandre. Où est-ce que c'est? Je suis... Voilà, me trouve moi. Excuse-moi pour l'orthographe, je suis un gros caca en français. Sinon, il y a moyen de voir cette troupe. La vache. Des dégâts en ligne. Ah, ça, c'est pas bête. Des dégâts en ligne, tu vois. On n'a pas ça. Non. On a dégâts de zone, on a dégâts uniques, mais pas dégâts en ligne. C'est sympa. Sympa, ouais. Le dragon du magma est un dragon qui crache du feu en ligne et détruit tout sur son chemin. Waouh, c'est hardcore. Et puis surtout, description de fou. Hein. Il y avait toute une histoire, c'était... Il y avait du niveau. Hein. Ah, et puis, faut voir le truc d'après, c'est assez exceptionnel aussi ça. C'est de Snake COC. Alors là, c'est très très beau. C'est... Tellement beau que j'arrive pas à voir l'image en fait. La flamme noire, donc cible préférée défense. Cet individu n'est pas reconnu grâce à son masque, ses pouvoirs magiques terrifiants dévastent les défenses ennemies, tout cela avec son spectre divin dont on ne connaît pas l'identité. Une troupe mystérieuse un peu, qui fait 5 capacités de logement. 100 ? 5, pardon. Ah 5, non, j'ai eu peur. Mal articulé. Mais elle est bien équilibrée du coup celle-là. Elle est bien équilibrée, ouais. Oh, elle est sympa, hein. Moi je la regarde, le graphisme est vraiment top. Ouais, t'aurais presque ouais. l'impression que c'est une vraie, vraiment elle est... Et en plus, l'écriture est de Clash of Clans et tout, elle est vraiment super ouais. bien faite. Là, c'est bien, ouais, là, c'est bien. Elle est vraiment excellente. Alors, tu sais quoi, je te propose que je mette, tu sais, je suis sur Gmail, je te propose que je mette en favori les troupes. Ah, celle-là, ouais. Celle-là. Le sticky. Le sticky. Attends. Alors, de Antoine. Ah, bah, je crois que c'est celui, il m'avait remasterisé ma bannière Twitter, je crois. Merci, Antoine, si c'est toi. Donc, le sticky. Avec la police Clash of Clans, hein, c'est pas mal. Ouais, bien joué. Tu vois toujours pas? Je suis en train. Si ça charge à chaque fois. Sinon, je vais commencer à charger l'image d'avant, d'après.
Ouais, bah pourquoi pas. Mode gros SDF de Wi-Fi qui a de la 3G en débit réduit, c'est terrible. Il est en 3G, je trouve que le son est pas mal. Ouais, ouais, non, mais on se démerde, hein, tu sais. Ouais, c'est pas la fin du monde. MacGyver. Maxoron. Donc le Sticky, cette créature étrange absorbe les obstacles en quelques secondes. Toutes les défenses, à part les mortiers, on ne sait pas pourquoi les mortiers, ils ne les aiment pas. Lui font seulement perdre de la vitesse. Malheureusement, la chaleur est son pire chemin, et son pire ennemi. Les tours de l'enfer n'ont aucune pitié pour lui, d'accord. En fait, je crois que j'ai compris pourquoi ils visent à chaque fois l'hôtel de ville et les troupes de château de clan. En fait, c'est tout ce qui frustre les gens, ils sont là. Putain, à chaque fois, j'ai jamais l'hôtel de ville. À chaque fois, les troupes de château de clan me font chier. Bon, bah, je vais demander à Trapa de créer cette troupe pour moi et de harceler Supercell, de leur dire « Faites-nous une troupe qui va tuer toutes les châteaux de château de clan. » Bravo. Genre l'avion. L'avion. Oh, les souvenirs. Alors, on a Hulk, on a Marvel qui s'incruste dans Supercell. Ouais, là, cette fois-ci, je l'ai. Et alors, waouh, les dégâts et tout. Par contre, il n'y a pas de nom, mais en gros, on devine, hein, ça s'appelle Hulk. Alors, elle fait 40 de logement, ça peut être bien. Ça peut être, c'est pas mal. C'est un peu le lourd, hein, quand même. Tu peux pas le donner en troupe de château de blanc. À moins qu'il y ait le château 6. Ouais. À moins qu'il y ait le château 6. Ouais, le 7, parce que tu imagines. Parce qu'on a passé de 30 à 35 avec le 6. Ouais. Donc là, avec le 7, faudrait pas. Waouh. Je kiffe le petit message qui change tout à la fin. Il n'aime pas les mortiers. Qu'est-ce qui se passe avec les mortiers? Mais qu'est-ce qu'ils aiment avec les mortiers, bordel? Ah non, sérieux, c'est pas mal. Cible préférée. Toutes. Après, tu peux lire la prochaine vite fait. Hello, comment vas-tu? Je sais, bon. Hein. En parlant de choses qui font sourire, voici ma participation au concours sur le pseudo Neko. Ok. J'avais aussi une idée de roi sorcier, mais je sais pas si cela allait passer. Et aussi un cochon sans le chevaucheur, donc juste un cochon. What? Qui ouvrait les murs en focus et qui serait un peu tanky. Mais c'est quoi ton vocabulaire tanky? Il permettrait de faire une percée jusqu'au centre du vivi. Ah, énorme. Et ça, c'est l'ange. C'est excellent. C'est un archer. Ah, le niveau des couleurs, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien foutu. Tombé du ciel, l'ange arrive sur terre pour aider les justes. Grâce à ses ailes, elle passera. Vous savez, je raconte une histoire aux abonnés, tu sais. Elle fait dodo. Grâce à ses ailes, elle passera au-dessus des murets et évitera la plupart des défenses ennemies. Seuls les tours de sorcier qui leur infligeront le double des dégâts pourront neutraliser une attaque de ces guerrières. C'est excellent. Vraiment, les gens ont une imagination de fou. C'est. Waouh, on a bien fait de leur demander de faire ça parce qu'il y a des gens, c'est vraiment. Alors, c'est vrai que dans l'épisode 1, il y avait plus de spécimens, j'ai l'impression. Donc, c'est que le début, là, on est à 11 minutes. Après, ils se sont calmés un peu. Là, ils sont un peu calmés. Ils se sont dit on va faire des trucs un peu moins chelou. Merci Shelken pour le petit message, toujours sympa de recevoir ça. La vache qui rit. La vache qui rit, il a une tête de vache qui rit. Ça c'est de Shelken, c'est ça? Ah c'est. Ah non, mais une tête de vache qui rit sur la Valkyrie. Mec, la vache qui rit lâche des gaz nauséabonds emprisonnant les bâtiments. Et plus le temps s'écoule, plus ils perdent de vie. Oh c'est trop bon. La vache qui rit, oh, lâche des gaz. C'est excellent. Oh punaise. Ah le gars, mais. Elle fait 2 de logement, 2 de logement se plaît et 1200 points de vie. T'en envoies tout plein. 37 de vitesse. La meuf, what? Elle court plus vite que son ombre. Oh waouh. Non mais là c'est. Waouh. Là ben. Mais c'est la troupe ultime. Tombé. Il y a 2 secondes, je disais que les gens n'étaient pas aussi bourrés que la dernière séance, et ben en fait si. Ça recommence. Oh non mec. Encore moi. Oh non mec, il y a encore moi. Oh non. Attends. Moi j'arrive pas à l'avoir. C'est de Cyril de ma création. Oh non. Le trapacoc faille souvent en live et n'attaque pas de village X. Oh mec, la photo est exceptionnelle. Je ferme les yeux. Bon, mais c'est sympa de faire ça. J'ai pas envie d'encourager les gens à faire ça, genre, tu sais, genre qui mettraient ma tête dans une troupe. T'imagines? Ouais. J'ai pas envie de les inciter à faire ça parce qu'il va y avoir que de ça. Bon, je vous incite à le faire, mais ça va être marrant qu'on va recevoir ça pour les prochains épisodes. Ouais. Bon, ben voilà, le Trapa COC, super. Sympa, vraiment, les gens. Si préféré YouTube.
Alors là, on a quand même du next level avec Alix qui nous envoie le Fwinning Goblin. Ça, c'est de Farce Attack, je crois. Et c'est le. Tu l'avais déjà envoyé sur Twitter. Moi, je l'avais déjà vu cette troupe-là. C'est bien fait. Ah oui, c'est vraiment. Et en plus, tu vas voir. Attends, tu peux nous lire la description. C'est vraiment. La seule troupe capable de vous ramener plein d'oseilles et de casser la gueule à Booba. Si préféré, Booba et dégâts x20. Cible la. Mais attends. On avait juste avant une troupe Booba, donc ça serait une troupe anti-Booba qu'on avait eu avant. C'est ça, hein. C'est pas mal. Hein. Ah, mais ils se sont organisés et ils ont fait un comité de gens qui vont faire des troupes pour Trapa et Sauron. Ils se sont dit, bon, les gens, alors toi tu fais une troupe avec un avion, toi tu fais une vache qui rit, toi tu fais un Fwinning Goblin. Un avion. Oh, là, là. Oh la vache. Bon, bah super, hein, Alix, merci pour cette troupe. Merci à lui. Illimité. Alors. Fouini ne meurt pas. Ah bah ça vitesse c'est 120, c'est se déplace en lambeau. Que 120 oh, on dirait moi avec ma Punto 120, c'est pas top. C'est un gobelin ultra rapide. D'accord, donc voilà ma princesse. Oh mec. Oh non, mais c'est pas possible. C'est une meuf qui tire des boules comme un sorcier. Qui ouais. Tire sur les sables. Attends, je suis assis à la description pendant que je montre la photo. Description, alors attends, il n'y a pas de. La description, c'est sur le mail ou c'est autre part c'est... Ah oui, c'est une meuf qui. C'est une meuf qui. Ouais, ok, d'accord. C'est une meuf qui tire des boules. Des boules, ok. Comme un sorcier qui tire sur les sables terrestres. Et rien. C'est la villageoise sur un cochon, mais les gars. Attends, mais la description, c'est ce qu'il y a de plus what the fuck au monde. Elle peut soyer les remparts avec son cochon. Écoute, 30 d'élixir noir, à 200 PV et à 140 points d'attaque. J'austère comme un trou de et que je gagne son concours. Oh, putain. Vive la correction automatique. Alors, on a une villageoise sur un cochon, et franchement, ça donne un effet bien, parce qu'elle est avec ses deux mains comme ça, on dirait qu'elle lance un sort. C'est vrai qu'il aurait rajouté une petite boule de feu, ça aurait été top. Ah ouais. La villageoise sur un cochon, bah voilà, la nuit les gars, vous le savez pas, mais la villageoise se monte sur les cochons comme ça. Non, c'est pas possible. Le complot va de plus en plus loin. Énorme, c'est excellent ça. Tout est lié. Émile. C'est Trapa, ça va. Oui, ça va très bien. Je suis abonné à ta chaîne. J'aimerais avoir une conversation avec toi sur Clash ou Skype pour te parler. Je reçois les déclarations. T'es le meilleur, cœur. Réponds-moi, s'il te plaît. Tu pourrais venir dans mon clan. C'est COC Star Wars. Est-ce que tu pourrais faire une dédicace pour le fun en vidéo? Eh bien, dédicace à Émile Janson. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bon, ça va, on a toutes les dédicaces. Bon, j'espère que les gars m'ont. Heureusement que j'étais là pour les applaudissements, hein, parce que sinon, comment aurait-on fait? C'est pas grave. Salut, Trapa, j'aimerais faire une vidéo avec toi où on devrait attaquer avec nos pieds ou notre nez, ça peut être drôle aussi. Mais les gens, c'est pas le but. Salut, Trapa, je suis PK, un jeune qui vient de commencer YouTube. Mais non, mais les gens, envoyez-nous des troupes. Ah non, mais c'est bon, c'est une troupe. Alors, tu peux lire pendant que je mets l'image, tu peux lire la description. Alors, le skeleton dragon. Description, cette créature est morte, bon, ça commence bien. Au cours d'une violente bataille, elle renaît encore plus puissante grâce à son élixir noir pour se venger. Ah, tu vois, là, il fait une petite référence à mon histoire, encore une fois. Dégâts par seconde, 280, violent. Point de vie, 2500, c'est bien. Coût de la formation, 100x noir, c'est pas cher, rentable. Cible préférée, défense. Type de dégâts, zone étendue. Cible terrestre et aérienne, bon, cool. Capacité logement, 20. En fait, c'est un dragon. D'accord. Mais... Un dragon moche, pardon. Il est vraiment moche. En fait, quoi la différence avec le vrai dragon, à part que c'est un dragon d'élixir noir? Ouais. C'est PK qui nous l'envoie, donc en même temps, c'est PK, tu vois. Complot. Ouh, je pense qu'on a du lourd. Sur Charles Dubouet. Je pense qu'on a du lourd. Alors attention, concours troupe. Salut Trapa, je t'envoie ma troupe en espérant qu'elle te plaira. Tu vois, ça c'est bien, c'est un message sobre, on comprend tout. Attends, Char. Non, je rêve. Alors attends, ça c'est Sauron. Attends, non, la première troupe, c'est Sauron. Mec, c'est. Ça c'est ma troupe favorite. C'est déjà chargé pour toi? Non, c'est encore flou, mais tu sais, ça prend ça du rame, temps. Ça rame, ça rame. Ça rame. Allez, voilà. Mais tu peux le faire. Mais un jour, ça va se mettre en normal. Mais c'est la troupe, c'est Sauron, hein, je te le promets. Alors, c'est une nécromancie. On passe sur l'autre et on reviendra, je le mets en favori. On reviendra le temps que ça charge, parce que moi ça me prend beaucoup de temps. Donc on passe sur l'autre.
de Jordan. Non. Ah non. On revient juste ah après. Non, je voulais voir ça. Ok, promis. Je charge, promis. Promis. Viking de niveau 4. Bon. Viking. Mais c'est bien de mettre les niveaux, mais c'est bien aussi de mettre tous les niveaux. Oh, genre, ouais, mettez les descriptions de vos niveaux. Ouais, serait trop parce que d'avoir juste le niveau 4, ou alors mettez tous au niveau 1. Comme ça, on a une ouais, bonne... je sais pas, ouais. Ouais. Bon, je sais pas. Comme vous voulez. Viking, niveau 4. Bah, l'écriture, moi, j'aime bien, même si c'est pas celle de Clash of Clans, mais déjà, il y a un titre, hein, parce qu'il y en a où il y avait vraiment pas de titre. Ouais. Et puis, bah, ça charge. Le Viking charge. Les Vikings sont des guerriers redoutables, ils sont extrêmement résistants, incroyablement, pardon. Ils ont une force extrêmement puissante, ils vont... Si vous tombez contre un Viking, fuyez. Stylé. Fuyez, pauvre fou. Ça charge toujours. 3 heures plus tard, les mêmes, toujours un peu plus fatigués. Ah d'accord, donc là, il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu peux m'envoyer la photo pour la troupe, j'arrive pas à l'enregistrer, je l'ai envoyé. Donc on verra s'il m'a envoyé sa troupe. Ah, bah, Sauron, putain, il y a 2 secondes, tu disais s'il pouvait envoyer des niveaux pour chaque niveau, les stats pour chaque niveau, pardon, et là, il envoie les stats pour chaque niveau. C'est parfait. Et ben voilà. Et mais en fait, c'est du live, tu vois, c'est les gens, ils font en même temps qu'on demande. C'est ça. Non, mais tout à l'heure, on demandait, je sais plus. Ah, on disait que les troupes étaient sérieuses tout à l'heure. Dans la partie 1. Et boum. Boum, Vashkiri. Allez. Boum, Vashkiri. On a le sergent de niveau 1. Le sergent. Et alors là, j'arrive à voir les stats, même si c'est un peu de loin. C'est 35 dégâts, non, 25 par seconde. Ouais. 150 de points de vie. C'est pas énorme, hein, 150. Hein. Et on a une sacrée compétence quand même. C'est quoi la compétence? La compétence, c'est qu'elle change les priorités d'attaque. Non. En gros, tu peux décider aller tous sur l'hôtel de ville ou tous sur les troupes de Château de Clan, tu sais, c'est en mode mutinerie. Ah, tous sur les troupes de Château de Clan. C'est stylé, hein. Ou tous sur l'hôtel de ville. Ouais, ça peut être pas mal. Genre, il y a toutes les troupes qui sont en train de faire n'importe quoi, tu les ramènes tous sur l'hôtel de ville. Alors, mec, ça, c'est pas mal. Je me rends compte que j'étais parti sur mon autre boîte mail. Tout va bien. Donc. Allez, nous sommes partis. Mais en plus, tu sais, le sergent, il a bien choisi non parce que. En gros, tu vois, un sergent, celui qui guide, celui qui dit allez là, et ben, du coup, voilà, ça a tout son sens. Le gars, il y a pensé. Il y a pensé. Et puis, il va chambouler les attaques au cochon. Donc, tu vois, le gars, il a tellement bien pensé à sa troupe qu'il est sûr et certain que ça va être mis. Ouais. Il est là. Ah non, non, mais ça va chambouler les attaques au cochon. Ça va être mis par Supercell. Supercell va voir cette vidéo. Il va tout de suite se dire c'est ça que je dois faire. Hein. Ah non, mais Supercell va faire cette troupe. Alors. Ah non, ils vont même prendre la même image, hein, tellement c'est bien. Mec, j'ai la troupe de tout à l'heure. Donc en fait, c'est la deuxième. C'est avec Sauron. Donc 150 dégâts par seconde, 125 points de vie. Ah, il a pas mis la place que ça prenait. Bref. Non. Réveillés par le nécromancien, les orques et leurs montures sont redoutables. Ils sautent les murailles et détruisent tout sur leur passage. Ouh, des petits. Ça, trimes, c'est cool, hein, ça. Comme ça. Ça, c'est parfait. Et donc, il appelle des troupes. Ça, c'est. Troupes appelées 5. Il appelle des troupes. C'est pas mal, c'est un peu comme la sorcière, mais en mode du Mordor, en mode Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est cool. C'est une troupe préférée, ça, c'est bien. On a une illustration. Ah, faites une troupe Sauron aussi. Avec sa tête. Ah oui, l'orque. Ah oui, c'est pas mal. En gros, lui, il nous a mis le nécromancien et ce qu'il invoque, donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'avant, on a vu la même chose, une troupe qui en gros, bah, te disait, bon, bah voilà, ok, c'est la troupe, elle invoque ça, mais il n'y avait pas d'image pour ce que ça invoquait. Alors que là, pouf, ça nous montre, donc c'est génial. C'est bien. Et je pense que, bon, on verra, de toute façon, c'est en train de charger. Vous savez qu'on en était. Troupe Chuck Norris, donc on reviendra juste après. Ouais. Ouais, faites gaffe que le fichier soit pas trop gros, parce que là, elle fait 2300 par 1600. Donc c'est vrai que c'est un peu lourd. Troupe Chuck Norris. Ouais, bah on va sinon passer à Adrien. Chuck Norris. T'es-tu? Chuck Norris. Moi, j'étais sur Chuck Norris avant, mais j'arrive pas à le charger, du coup, c'est trop lourd. Alors, Chuck Norris. Dégâts par seconde, 50 millions. Points de vie invisible. Invincible, pardon. Vitesse. La vitesse. 3 x 10 puissance 8. Ah oui. Ah oui. Non, mais il y a du niveau de vitesse. Enfin, je veux dire, c'est pas au mieux de sa forme, hein, mais. Je pense que je suis plus rapide que ouais. lui. Chuck Norris ah, non, a mais là, un cœur sur il... la main, mais pas le sien. Est-ce que tu peux réfléchir à ça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette phrase, ça m'intéresse. Et le cœur sur la main, mais pas le sien. C'est pas le sien. C'est absolument affreux. D'accord. D'accord, c'est terrible. Le mec, je sais pas, il doit avoir 14 ans, il pense à des trucs terribles.
Il a le cœur sur la main, mais ce n'est pas le sien. Genre, boum, tu vois, il est sale quand il dit ses phrases. Alors là, on a un fantôme de Mario, fantôme niveau 1, qui a pas de point de vie. Ah, sans montrer sa présence, le fantôme attaque des bâtiments au hasard. Mais lui, il s'en fout complètement, il attaque au hasard. Ça, ça peut être bien qu'il attaque au hasard. Tu vois? Ouais, complètement au hasard. Le mec, il peut aller tout à gauche. Genre. Ouais, genre il fait bon, bah moi je vais attaquer. Mais en fait, ça c'est même ça sert à rien, on a déjà ça, hein. La reine des archers elle l'attaque au hasard. Le truc, c'est qu'il a pas de points de vie, il a des dégâts. Un mec qui va n'importe où, mais après avec la champion, faut pas que ce soit de la chance. Paquet de. Je pense, hein. Ouais. Si on commence non, à avoir un peu de chance. Trop de chance. Mais il doit y avoir du hasard dans un jeu, c'est nécessaire, c'est comme tu sais, les jeux de société où t'as des dés, il y a besoin d'avoir du hasard, sinon tu contrôles tout le jeu. Mais si jamais il y en a trop, tu contrôles plus rien, et dans ce cas, faut équilibrer, c'est ce qu'il faut faire, c'est bien. Mais elle est bien la troupe, franchement. Ouais. Oh, je suis sur la troupe de tout à l'heure, le nécromancien, et donc ce puissant nécromancien appelle à ses côtés des défunts orques pour l'aider à conquérir l'ennemi, donc. On a justement l'orque. En fait, il appelle des orques. Il peut aussi causer des dégâts importants au bâtiment adverse. 25 de logement. 5. En fait, c'est une sorcière, mais en mode beaucoup mieux, quoi. C'est. Date, putain date de sorcière. C'est la sorcière level up. Yes. Yeah. D'accord. Bon, merci à toi. C'est vrai qu'on était un peu dispersés pour présenter ces troupes. Donc là, j'ai un message. Je sais pas trop. Petit coquinou va. Ah oui, j'ai senti. Ah là là, celle-là. Sexy biatch. Ah non, mais là, mais c'est... Cible préférée sexe masculin. La sexy biatch va tirer les troupes de ses masculins et va les distraire. Oui. Oh yeah. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis meilleure troupe au monde. Tu la mets dans le château de clan, ça s'en joue après. D'où vient cette photo? Mec, il a fait... Bon bah je vais taper le nom de ma troupe sur Google et puis... Oulala. Cible préférée, sexe masculin. En gros, la Valkyrie est invincible contre ce genre de troupes. Parce qu'ils vont pas les attaquer. Enfin, c'est comme un cochon qui passe à côté d'une une réserve d'or pleine. Bah il va passer à côté en mode snob. Ouais, genre... Non, je m'en fous. Bon, écoute, j'ai un fichier zip pour le prochain. Je sais pas trop ce que c'est un fichier zip. Ça verra pas, je ouais. Pense. C'est... Bah on regarde la prochaine sinon c'est pas... Oh, c'est quoi enfin, ce truc? J'avais répondu. On a Paul. Parce que moi j'arrive pas à la voir. Paul, attends, oh, moi je suis sur le nuage. Paul, mon gars, il pète un plomb. Paul. Mais mec, ça doit être un truc d'un film, je pense. Paul, attends. C'est sur le truc de Zip là, parce que non, moi je peux pas la voir. C'est Nuari. Adrien. Nuari. Adrien. Et tu l'avais répondu ouais, pas y ok. Y a... Et ça s'appelle comment la troupe? Le Paul, je sais pas pourquoi il l'appelle Paul. Le Paul. Le Paul. Paul le poule. Peut-être il s'appelle Paul. Paul le poule, mec, c'est un poule. Paul le poule. Paul le poule pour envoyer des lasers. What the fuck? Bon. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Narmol. Je dis oui. D'accord. Bon, bah, encore une nouvelle troupe un peu originale. What the fuck? Mais carrément. Arthur. Ah, moi on n'arrive pas à voir l'image, là, c'est sûr et certain. Parce que ça c'était comme la première qu'on avait eue, on n'arrivait pas à voir. Je sais pas si tu t'arrives. Sur le message. Dur. Mais en gros, c'est une troupe aérienne, comme tu peux le voir. Non, on peut pas. Elle n'attaque pas, mais agit comme un sort de gel. Ah, ça c'est bien. Moi je voudrais bien une troupe comme ça. Petite troupe, description faite avec même un petit nom et des levels. Fait avec Paint. Dommage qu'on voit pas. Ouais, bah au pire, tu sais, il va se voir dans la vidéo, il va se dire bon. Il va nous la renvoyer sous un autre fichier et puis du coup ceux qui auront dans cette vidéo vu leur image et qu'on n'a pas pu la voir, renvoyez-la nous. Si jamais vous avez une autre image en tête que vous n'avez pas encore fait, bah envoyez-nous une image, comme ça on verra pour l'autre épisode quoi. Donc on va s'en faire une dernière parce qu'on approche des 30 minutes. Étant une bure en montage, je préfère t'épargner mes désastres. De plus, je ne sais pas pour quelle raison je ne peux pas joindre mes fichiers. Donc je te propose l'homme invisible qui ne fait rien, ne sert à rien, ne prend pas de place et ne coûte rien. La troupe inutile. C'est quoi cette troupe? Plus sérieusement, je pensais au tornado qui survolerait des vents violents, faisant des dommages aux troupes et aux bâtiments. J'aimerais vraiment beaucoup que tu parles simplement de tornado ou des idées de l'homme invisible dans une compilation d'idées pourries. Tu vois, on leur demandait.
Mais le mec, il est visionnaire, tu sais, il a su qu'on allait faire cette vidéo de cette forme-là. Il s'est dit, je vais leur expliquer mon idée, ils vont la lire, et ils vont, tout le monde va savoir mon idée va devenir célèbre. Super fort. Et en plus, c'était son anniversaire, il l'a envoyé le 5 septembre, et nous sommes déjà bientôt en novembre. Et donc, pour son anniversaire, le 8 septembre, dégoûté. Un mois après, bon, bon anniversaire à toi, Tom. Cette vidéo part trop en couille, on commence à lire des mails. On commence à faire les dédicaces. Mec, juste envie de m'en faire une petite dernière. Ouais, vas-y, c'est pour le plaisir. Adrien. Oh, un crocodile. La photo, non. On avait besoin de ça. Ah, par contre, les gars, il arrive par la mer. Ah, ça. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient ça d'ailleurs. Qui des troupes qui viennent de la mer. Moi, je pensais justement quand il y avait la troupe le Viking qu'il allait venir par la mer en drakkar et tout. Mais non, c'est un. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'est une mer un petit peu. Ça a pas l'air d'être une mer de savane. Hein. C'est pas très chaud pour le crocodile, hein, mais c'est pas. Ouais. Je crois que c'est peut-être un crocodile de mer, hein, tu sais. Je sais pas. Il a l'air heureux là. Je pense qu'il est il bien. Parle vraiment très loin. Je pense qu'il est bien. Bon, d'accord. Et donc ensuite, on a l'araignée. Spider. Un peu dans le même genre. Ouais. Ah, j'y avais pensé d'ailleurs moi à l'araignée déjà. J'avais dit en gros que l'araignée elle enverrait des toiles un petit peu comme le sort de gel. Tu vois, généralement les mêmes idées reviennent, mais c'est des bonnes idées finalement. Alors, l'araignée elle a la capacité de prendre une défense. Cette défense ne peut plus rien faire et elle attaque dans la toile. En fait, une défense, ouais, pas une défense. Elle marque une défense. En fait, je pense qu'elle fait une toile. Elle fait une toile et puis elle attaque dedans. Qui la paralyse. Ouais. Ah oui. En gros, elle prend des mouches qui sont les canons et autres, et puis elle les englobe et elle les enroule et elle fait comme son travail d'araignée, quoi. Sûrement, voilà. Bien pensé. Bon, bah écoute, Sauron, c'est déjà la fin de cette deuxième partie. Ah, difficile. Alors, qu'est-ce que t'en penses par rapport au premier épisode? Est-ce que c'était plus sérieux, moins sérieux? Moi, je dirais que c'était la même chose. On n'a pas eu de troupe trappa, dommage. Ah si, on a eu. Si, je crois. On en a eu une autre. Il y en a une. Ah oui, on a eu une deuxième ouais, troupe trappa. On a eu Pashkiri, Funny Goblin. On a eu une autre qui m'a. Ah oui, on a eu le Nécromancien qui donnait des troupes, ça me faisait penser à Sauron, donc c'était sympa, ma troupe préférée, tout ça. On a eu quoi? Le crocodile ouais. Qui sort de la mer, le viking, l'araignée. Qu'est-ce que je dois. Alors, ah oui, non, mais bien. Vraiment, par rapport au premier épisode, moi je trouve que c'est tout aussi plaisant. Vraiment des très bonnes images. Ouais. Et on a eu la villageoise sur le cochon, c'était hallucinant. donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la troisième partie. On sera peut-être ça avec des invités. On va peut-être tourner avec des invités parce que là, franchement, les gars, regardez encore tous les mails. Pour tout vous dire, on a fait cette vidéo, la deuxième, juste après la première, mais la troisième, on se la fera dans 2-3 semaines. Donc. Il y aura eu le temps d'avoir beaucoup d'autres messages. Je pense qu'on va recevoir encore 50 messages. Et donc, continuez. Ouais. Envoyez-nous tout ce que vous avez, que ce soit what the fuck, que ce soit génial, que ce soit des bonnes idées ou et des très mauvaises idées. Faites-nous rire, parce que. Faites-nous rire. c'était vraiment sympa, c'était les sympa. Gens. Vraiment plein d'imagination. On voit qu'il y a du travail derrière. Ouais. Donc, vraiment merci à tous. À bientôt, les gars. Ouais, ciao, les gens. Si vous êtes rapaces, ils seront. Salut.